Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ? Bonjour, bienvenue sur la chaîne Uniqueform. Comme c'est la première vidéo de l'année, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2017. Je vous souhaite une année pleine d'objectifs et surtout avec tous les moyens pour y arriver. Ici une petite vidéo qui va vous expliquer rapidement et vraiment succinctement comment retrouver votre poids de forme après ces fêtes de fin d'année et la galette en plus. Le plus simple, hein, quand on veut perdre du poids ou retrouver un poids de forme, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une, c'est le déficit calorique. Ça veut dire consommer moins de calories que l'on va en dépenser sur une journée, sur 24 heures. Pour ça, il faut agir sur une variable qui est l'apport glucidique. On garde notre apport de protéines, normalement il est calculé suivant votre poids de corps, votre apport de lipides aussi, ça c'est des formules assez simples. Et ensuite vous avez votre apport glucidique. Le total calorique, c'est pareil, c'est une formule qui calcule votre métabolisme de base et on rajoute là-dessus un pourcentage par rapport à votre activité quotidienne, journalière, quotidienne. Donc ça, c'est des formules qui prennent en compte la taille, le poids et l'âge. Ici, on ne va pas en parler. Si vous voulez des conseils et des programmes alimentaires très précis, n'hésitez pas à me contacter par mail, hein, stéphane.coach@hotmail.fr ou bien directement sur la chaîne YouTube ou sur ma page Facebook Stéphane Coach. Donc ce déficit calorique, on va agir sur les glucides. Il faut évidemment pas trop descendre au niveau des calories parce que le corps est malin et il va, si vous descendez trop bas en calories, va se dire, oh là là, période de disette, période de famine, dans le peu de calories que j'ai, je vais quand même en conserver un maximum sous forme de gras, de stock, pour, en cas de famine plus intense, pouvoir continuer à alimenter les fonctions vitales. Parce que lui, son seul objectif, c'est de vous conserver en vie. D'accord ? De conserver l'action des fonctions vitales, le cœur, le cerveau, etc. Donc, il ne faut pas trop descendre en calories, juste qu'il faut. En gros, on estime la descente calorique journalière à moins 500 kcal quotidiennement, par jour. Avec cette baisse de calories par jour, vous allez pouvoir perdre entre 500 et 800 grammes par semaine, hein, ce qui représente 2 kg sur 4 semaines, ce qui est assez intéressant quand même. Il ne faut pas vouloir perdre plus vite, parce que c'est la même chose. Hein. Si vous perdez trop vite, le corps, malin comme il est, va se dire « Oh là là, encore une période de famine » ou alors « Oh là là, beaucoup de perte de poids, donc le corps est peut-être malade, je vais stocker pour lui donner un maximum d'énergie pour soigner cette maladie, entre guillemets. » Voilà, donc savoir sa diminution calorique, ça c'est important. Deuxième chose, il ne faut pas juste faire un régime, il faut aussi pratiquer une activité physique. Sinon, vous allez perdre du muscle. Bien sûr, vous allez maigrir et avoir l'impression sur la balance de peser moins lourd, mais vous allez perdre du muscle, ce qui engage plein de problèmes de santé. Donc, activité physique. Hein. Cette perte de muscle, hein, s'appelle la désadaptation du corps à l'effort. Donc, il faut bouger. Pour lutter contre une idée reçue, hein, il ne faut pas faire seulement des exercices cardio. Et surtout, il ne faut pas faire que des exercices cardio à intensité moyenne, voire basse, pendant de longues heures. Ça, c'est une idée reçue, où on disait, même autrefois, on disait, au bout de 45 minutes, le corps va aller chercher dans les graisses pour... il a consommé tout son sucre et il va aller chercher dans les graisses pour retrouver de l'énergie. Tout ça, c'est un peu des bêtises. Et le plus important, et le mieux, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'avoir un travail musculaire, intense. Une séance intense, courte, 30 minutes, 45 minutes, mais intense, qui engage un travail musculaire. Ça va vous permettre de consommer beaucoup de calories et de conserver votre masse musculaire. Et il faut savoir que plus votre muscle est tonique, plus il est important, et plus votre métabolisme est rapide, donc plus votre corps, même au repos, va consommer de calories. Et vous aurez plus de mal à grossir. En tout cas, à prendre du gras. Voilà, donc, 3 points. Déficit calorique. Pour gérer ce déficit calorique, il faut gérer l'apport glucidique, plutôt apporter les sucres AIG moyen, bas ou rapide autour de l'entraînement, et faire une activité physique intense, courte et musculaire. Je vous présente à la fin de cette vidéo un petit circuit de 5 exercices qui concrétise ce que je viens de vous dire. Voilà les amis, tout de suite les exercices. Je vous conseille de faire ce circuit 3 à 4 fois par semaine
Et je vous dis à très bientôt, 100% de la forme, chaîne Unique Forme. Avant de commencer les exercices, je vous conseille de filer au supermarché, d'aller acheter une bouteille de 5 litres, donc 5 kilos, afin de pratiquer ces exercices avec un maximum d'intensité. Si bien sûr 5 kilos c'est trop lourd pour vous, prenez une simple bouteille de 2 litres ou d'un litre et demi, ça va réduire considérablement la charge. Mais sachez que pour conserver du muscle et consommer un maximum de calories, plus la charge sera importante, mieux ce sera, bien sûr dans la limite de la sécurité. Si c'est trop facile, vous en prenez deux comme ça, 10 kilos, et ça sera intéressant. On y va, 5 exercices qui vont solliciter l'ensemble de votre corps. A tout de suite, les amis. Exercice 1, prenez votre bouteille à deux mains, par la petite poignée, pied large, orteil vers l'extérieur. 30 secondes d'effort ou 30 mouvements. On descend jusqu'à ce que la bouteille touche le sol et on remonte. Allez, 1, la bouteille sous le menton. 2, le dos reste droit. 3, descend. 4, 5, la vitesse prime. Plus vous allez vite et plus vous allez consommer de calories. Gardez le dos le plus droit possible. Poussez les fesses loin derrière. 9, 10, allez encore, 20, 1, 2, allez, gardez la technique, 3, soufflez bien, 4, courage les amis, 5, 6, 7, 8, montez les coudes, 9, si c'est dur maintenant, c'est bon signe, 10, 9, 8, 7, 6, allez, on souffle, 5, il en reste 4, 4, 3, 2, 1, ok. Exercice 2, un tapis sous les pieds, descendez un genou au sol puis l'autre en lâchant la bouteille. Boum, boum, on pose la bouteille, on la reprend et on se redresse. Boum, boum, 30 fois, 3, 4, essayez de garder le dos le plus vertical possible. Fois avec la même jambe qui commence, là c'est ma jambe droite, restez droit, regardez droit devant, soufflez en remontant, 8, 9, là vous allez sentir vos cuisses mourir, 10, ne vous penchez pas en avant, 11, 12, il vous faut un tapis bien moelleux pour protéger vos genoux, 13, 14, soufflez à la poussée, 15, et on change de jambe, gauche, 15, 15. On souffle bien, respirez, respirez, sentez la chaleur monter dans les cuisses, le corps, même le front. Moi j'appelle ça le chauffage par le sol. Les jambes travaillent, mais c'est le front qui transpire. Soufflez bien. 8, allez, 9, 10, 11, 12. 13, 14, pensez à votre dos, bien droit, 15, ok, petite option si vous avez des problèmes de genoux et vous ne pouvez pas descendre jusqu'en bas, faites juste petit pas alterné, assez rapide, en restant droit, bouteille toujours accrochée, et vous en faites 30 par jambe. 6, 3, pied large, bouteille entre les jambes, ici, fléchissez les jambes, et étendez les bras à hauteur de poitrine. Et plus vous allez vite, et mieux c'est. 1, allez, 2, regardez mon dos. 3, il reste plat. 4, allez, 5, et on met du rythme. 6, je sens que je vais faire des bêtises. 7, 8, il vous faut de la place hein, chez vous. 9, 10, oh, non, juste ce qu'il faut. Entre le lit et l'armoire, ça passe. 14, pas d'excuse de place. 15, de temps, ou autre excuse bidon. On veut maigrir et on se donne les moyens. 18, allez du rythme. 19, plus vite. 20, dos plat long. 21, pas plus haut que les épaules la bouteille. 23, 24, 25, allez redresse, redresse. 26, serrez les fesses en haut. 28, 29, 30. Oh. À exercice 4, ici un exercice hautement cardio. Bouteille dans la main droite.
Bras gauche prêt, genou gauche prêt, 30 genoux à gauche, rapide. Chut, 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 chut. Regardez, la pointe de pied touche à peine le tapis, remonte. Le coude loin derrière. Le dos toujours droit, ça c'est une constante. Allez, rapide. 9, 10, encore 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Switchez tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 derniers. 4, plus vite, plus vite. 6, 7, 8, 9, 10. Et le cinquième pour finir sur une touche abdominale. Mais quand même cardio, vous prenez la bouteille à bout droit, bout à bout, tendez les jambes, l'idée, j'enroule le buste quand j'écarte les jambes, et je redescends, les jambes se resserrent. On est parti pour 30, let's go les amis. 1, 2, allez chercher le plafond, 3, 4, 5, 6, vous avez mal au cou, c'est pas une bonne excuse. 8, regardez l'option, 9, 10, bouteille derrière la tête, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, 1, 2, 3, dynamique, dynamique, 4, ne cambrez pas le dos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et relâchez, soufflez, voilà les amis, vos 5 exercices haute intensité, à répéter ce circuit, répétez-le 2 fois de plus, avec une pause d'une minute à la fin, 1 minute 30, 3-4 fois semaine, régulez vos apports caloriques et je vous assure que vous allez commencer l'année en super forme. Des conseils plus précis, du coaching personnalisé par mail, par téléphone, n'hésitez pas, contactez-moi stéphane.coach@hotmail.fr ou sur ma page Facebook ou directement sur la chaîne YouTube. A plus les amis, 100% de la forme, chaîne Unique Forme.